Salut les loulous, c'est Lou Chapelilou. On va tester la démo de Scène Investigators, donc qui est un jeu indépendant d'enquête avec des énigmes. On va voir jusqu'où on va. Un jeu de déduction qui sera plaire aux férus d'affaires criminelles, pénétrer dans des scènes de crime reconstituées, observer attentivement les preuves et pièces à conviction, réfléchissez aux motifs éventuels et levez le voile sur ce qui s'est réellement passé. Cette affaire a eu lieu au cours d'un dîner. Cinq personnes amies ou connaissances se sont réunies pour un repas. L'une d'entre elles a été assassinée. Tous les indices sont sur la scène de crime. Saurez-vous résoudre ce cas? Soumettez vos réponses à l'ordinateur et découvrez si vous avez trouvé le fin mot de l'histoire. Se déplacer, courir, s'accroupir, torche. Ok. Alors, donc il va falloir qui s'est assis sur la chaise 5-2, qui est le cousin de Clara, qui est mort, qui est l'assassin. C'est parti. Alors. Joyeux anniversaire Clara. Merci de m'avoir soutenu pendant ma cour de désintoxication. Henri a vraiment beaucoup de chance de t'avoir dans sa vie. J'espère que tu as passé une excellente année, Jack. Donc on a Jack, Henri et Clara. Il faudra l'étiquette sur le cadeau. On peut ou pas? Non, on peut pas. Alors, on a la 5, la 4, la 3. Alors, ils ont tous touché à la bouffe, sauf... Ben là, en fait, il n'y avait personne. Et ils ont... Il y en a d'autres qui ont bu du vin. Et qui sont pas morts. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils sont 3, là. 3 garçons. Avril 2003, l'anniversaire, on est le 22. Ok. Jack, Edwin, Jenny. Jack, Edwin et Jenny. Ah, attends, il y a un truc là. Avertissement concernant le foie. Vomissement, hémorragie interne, machin. Donc en fait, ça a l'air d'être de... On l'a empoisonné en fait avec ça. Et on ne sait pas pour qui c'est. Cela, on a l'air d'avoir trouvé la cause de la mort. Donc sinon c'est Doctor, donc c'est Jenny. Mon chéri, je suis sorti faire des courses, tu veux bien mettre la table s'il te plaît? N'oublie pas, mon cousin ne peut pas boire de vin, sers-lui du jus d'orange à la place. Ok, il y a des gauchers. Donc on va supposer que le cousin de Clara a bu du jus d'orange. Attends. On va faire ça. Petit dessin pour s'en sortir. Donc, aide est gaucher et le cousin a bu du jus d'orange. Donc le cousin est là. Cousin. Le cousin, c'est la 5. Ensuite, un gaucher. On le verrait parce qu'il l'aurait inversé. Ben là, la fourchette, elle est à gauche. Elle est tombée, mais elle est à gauche. Mais ça veut rien dire. Qui inverserait la fourchette et le couteau? Un gaucher. Ah, ben le gaucher, c'est celui qui n'était pas là, parce qu'ils ont inversé justement. Donc si je me mets dans le même sens que mon dessin, c'est là, gaucher. Ed. Donc dans les invités, on a bien Edwin. Ok, Edwin. Donc il nous manque Jack et Jenny. Faire une réservation.
Ligne avec les collègues. Ok. Rendu spécial, celui-là. Henry. Henry Gibson. Donc Edwin, il est avocat. Terry, il est à une clinique d'avortement. Et lui, qu'est-ce qu'on peut dire de lui de spécial? Fait la même taille. Bah donc le mari, ça doit être Henri. Là, ils ont... Tac, 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 ok. Là, il y avait marqué des trucs ou pas en plus? Check. Henri est si fortuné de t'avoir... Ouais, donc c'était... Donc Henri est bien le conjoint, ok. Là, j'ai regardé. Ça s'est bouclé. Clara. Donc ça, c'est un mot de Heather. On s'en fout. Clairement, mon cœur, cela fait un mois que tu es venu me rendre visite, tu te souviens de notre conversation, je pense qu'il est temps que tu mettes un terme à ta relation avec lui. Cela fait bien trop longtemps que tu souffres, il faut que tu passes à autre chose, réfléchis-y et réponds-moi. Ok, donc il y a peut-être le mari qui est coupable. À noter que le mari avait accès aux médicaments. Parce que les médicaments, il est mis pour... Non, c'est juste... Oui, c'était le rendez-vous, c'est l'agenda de Henri. Pour moi, c'est Henri qui l'a zigouillé. Bon, comment on rentre les informations maintenant? Commande. Moi, je veux bien, mais comment je rentre à l'ordinateur? C'est ça. Alors, qui c'est Hachi? J'ai pas noté les numéros. Attends. Qui c'est Hachi? J'ai pas noté les numéros sur mon papier. 5, 4, 3, 2 qui est par terre, 2, 1, ok. Donc le cousin de Clara qui a bu du jus d'orange. Clara, ah! Qui est l'assassin? On a dit Henri. T'as intérêt à me le garder, toi. Hein, je vais pas le taper 20 fois. Attends. Le cousin. Donc, de toute façon, on a placé Edwin. Donc, il me reste que Jack. Donc, le cousin, ça doit être Jack. Et donc, sur les deux, il y a. Entre 2 et 4, on a Jenny et le copain à la con. Qui n'a pas touché à son verre, parce que ça a sûrement été empoisonné avec le vin. Donc moi je dirais que là, vu que c'était sûrement le vin qui était empoisonné, sur la chaise 2, qui est tombé là,
C'était le mari, non? Oh, je sais pas. Je n'en ai aucune idée entre la 2 et la 4. Bon, on va tenter des trucs. Hein. Donc le cousin de Clara, on a dit c'est Jack. Sur la chaise numéro 5, on a dit Jack. Qui était assis sur la chaise numéro 2, c'est soit Henri ou Jenny. La chaise numéro 2, c'est la personne qui a le plus paniqué. La chaise est renversée, mais l'autre a quand même foutu sa fourchette par terre. Jenny. Jenny. Attends. Téléphone, on peut rien. Jenny. On va mettre Jenny, puis on verra bien. Jenny. Mettre. Oui, on va tenter. Alors. C'est bon ou j'ai pas bon? Ah, question sur 5. Donc c'était Henri. Pourquoi pas? Ça peut être sympa comme petit jeu de déduction, hein, franchement, RAS. Rien de révolutionnaire. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres jeux. Tchou les loulous!